Mesdames et messieurs, bonjour, comment allez-vous Écoutez-moi, ça va extrêmement bien. Aujourd'hui, on vient parler de ça. Voilà. De toute façon, vous l'avez vu, il y a le logo DotMod, on vient parler de la Dot IO V2. C'est bon, c'est enfin sorti. Qu'est-ce qu'il y a en changement cette année, etc. Ça a été présenté durant le VAP Expo euh, à Paris. Et il y a quand même pas mal de nouveautés euh, pour cette belle petite Dot IO V2. C'est parti, on voit ça ensemble. Alors cette année. C'est pas celle-ci, c'est celle-là, c'est la DOT IO V2. La différence, c'est qu'on va intégrer un petit écran. Et sur cet écran, justement, on va pouvoir vapoter jusque 75 watts. Alors, qu'est-ce qui change concrètement hein, comparé à l'ancienne DOT Eh bah bien, déjà, pour les personnes qui cherchent vraiment un bon DL, ça va changer. Déjà, parce qu'on va intégrer des nouvelles résistances. Et oui, alors ça, c'est le petit point négatif. Mais je viendrai en reparler juste après. On a une compatibilité des portes. Alors, ça, pour les personnes qui veulent faire de la customisation et des choses comme ça. C'est top. Et on vient intégrer une nouvelle matière pour les portes. Justement, je vous mets un petit fond vert sur le côté euh, de la porte. Vous allez voir, il y a un petit reflet. C'est du plastique glacé. Vous allez voir, c'est plutôt original. On, au départ, on, on a du mal à s'y faire. Enfin, moi, de mon côté, j'ai eu du mal à m'y faire. Mais au final, j'adore. Tout simplement. C'est fini le petit drip type qu'on avait juste là. Ça, c'est dommage. On a un drip type propriétaire rouge. Alors propriétaire, non. Il est juste propriétaire à la couleur. Si vous l'avez en noir, il sera noir, etc. etc. Ça change. Personnellement, j'ai pris l'ancien drip tip pour mettre hop, directement sur celui-ci du rouge gold. J'aime plutôt bien. Au niveau du réservoir, on reste sur la même chose, contenance de 2,7 ml. Et justement, la différence cette année, c'est que avec cet écran, vous aurez différents modes. Vous allez avoir un mode auto, comme le petit mode qu'on pouvait avoir sur la Dotaio classique. Vous allez aussi avoir un mode de réglage par vous-même, allant jusqu'à 75 watts, donc vous aurez aussi un peu plus d'autonomie. Et ce système de réglage, j'aime bien. J'aime bien parce que c'est vrai que sur ces résistances-là, les 0.3 classiques, c'était bien le petit système de, de cercle. Mais c'est vrai que pour les personnes qui voulaient un peu plus de puissance, etc. etc., C'était un peu embêtant, vous ne pouviez pas le faire. Et bien maintenant, vous pourrez le faire, c'est tout simple, trois clics sur le bouton Fire, vous rentrez dans le menu, je vous mets une petite vidéo sur le côté justement, et vous allez tomber sur ces différents modes. Soit un mode auto, un mode pour régler manuellement, vous aurez aussi un mode bypass, et vous aurez les trois autres modes, TI, SS, NI. On va avoir un tout dernier menu, c'est le menu Setting. Qu'est-ce qu'on va retrouver dedans Bah c'est super simple. On va retrouver les couleurs. Dot va intégrer pas mal de couleurs dans cette dot Vous pourrez aussi customiser votre écran. Moi perso je l'ai mis en gold. Et vous allez avoir euh, un système pour éteindre l'écran quand vous allez vapoter. Un peu un mode d'économie d'énergie. Votre machine va toujours fonctionner. Pour le retirer, vous appuyez trois fois sur le menu, euh, trois fois sur le bouton Fire et vous retournez dans les menus. On a un beau petit design aussi. Qui a été fait un peu... Euh comme sur la Dotbox euh, dot 220, au niveau du plateau, ça a été légèrement revu, le, le système d'airflow, etc., on est sur un système un peu plus aérien, je trouve, et c'est ce qui a été dit, tout simplement, et là, maintenant, on va passer à des résistances à clipser, alors oui, c'est plus des résistances à visser, là, ça va tout simplement être à, à clipser, quoi. et puis ça marche tout aussi bien. On est sur des résistances en 0,3, ça va nous permettre de vapoter grosso modo de 25 à 40 watts, et après on aura des résistances en 1,6, on aura des résistances en 1,6 nous permettant de vapoter de 14 à 20 watts en SS316. Mèche. Au niveau de la boîte, et ça je l'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, la garantie. Vous avez toujours cette garantie à vie chez DotMod, mais attention, il faut bien conserver la boîte. Anciennement, vous avez le petit carton d'authenticité, et ben maintenant ça se fait juste là, avec le petit scratch code. Donc on conserve bien sa boîte pour la garantie. Alors un souci qui a été réparé, et c'est un gros problème je trouve pour moi qui ne changeait pas si souvent mes résistances, c'était le système, le problème de condensation qu'on pouvait retrouver justement au fond. Ce problème-là a été... Je ne vais pas dire pâtier, mais ça a été résolu. Donc on n'a plus ce problème-là. C'est nickel. Également pour le système de remplissage. On a une nouvelle opercule qui va être de nouveau présente. Et ce système-là est beaucoup mieux que sur les autres tanks. Ça, franchement, vous allez le voir. Rien que prendre ce tank-là, ça va vous changer la vie. Même pour le remplissage. Évidemment, les dot shell, les hatmizu, les dot RBA, tout est compatible. Ça, c'est le gros point fort. En gros, ils ont refait une dot.io classique. Avec un écran, 75 watts, ils ont poussé le truc encore plus loin. Et franchement, c'est top. Au niveau du prix, 110, 120 euros, vous avez un peu de tout à gauche, à droite, ça dépend. Mais oui, ça reste quand même une bonne innovation d'intégrer. C'est une bonne innovation pour une chose, c'est qu'ils ont retravaillé leur dot IO classique, permettant de pousser la chose un peu plus loin. Par exemple, les personnes qui étaient sur des Mizu. Ou d'autres tanks reconstructibles compatibles avec celle-ci, voulant augmenter en puissance mais ne pouvant pas le faire sur la Dotaio classique, là maintenant ils pourront le faire et ça c'est quelque chose de plutôt bien pensé pour les personnes qui voulaient paramétrer vraiment leur machine à fond. Franchement, je l'ai depuis maintenant peut-être une petite semaine et euh, ça reste comme un bon holdé euh, Avant j'étais vraiment sur euh, du gros aérien. Celle-ci on a un tirage, ça correspond. Franchement, on peut très bien faire du DL comme du MDL, comme du MTL plutôt. Et ça correspond plutôt bien à ce que je recherchais. Je voulais vous faire la revue avec le plateau de chez BP Mode, qu'ils ont, BP Mode a sorti un plateau compatible avec celui-ci et ils en ont sorti un autre compatible avec la billet de box. Je voulais vous le faire mais ça tendrait un tout petit peu. Au niveau des portes, c'est une matière, faut s'habituer. Franchement, la première fois que je l'ai reçu, j'ai fait « Wow, qu'est-ce que c'est que ça ?» Mais on a un petit effet avec la lumière et ça joue plutôt bien. Soit t'aimes, soit t'aimes pas, mais je te rappelle, c'est que tes portes sont compatibles. Et ça, franchement, c'est plutôt buenos. Allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée à tous. C'était Théo. Prenez soin de vous. Amour, gloire, prospérité. Faites l'amour, pas la guerre. Et à très bientôt pas pour une autre vidéo.